السلام عليكم ورحمة الله. هذه واحد مسألة تخص دراسة دالة. هذه الدالة هي دالة جذرية من فونكسيون راسيونيل بولينوم مقسوم على بولينوم ان بولينوم ديفيزي باغ ان بولينوم دونك سي اون فونكسيون راسيونيل. هذه المسألة هذه كتكون من جوج الأجزاء دو بارتي لا بارتي ا سوا اف لا فونكسيون دو ار vers R défini par f de x égale à x au cube plus 2 sur x au carré plus 1 et soit f prime sa fonction dérivée, yani f prime il y a le mouchtarpa dit on désigne par cf la courbe représentative de f dont le plan rapporté à un repère orthonormé O, I, J. F del adedia معرفة من R إلى R لاحظوا أن الدومين دو ديفينيسيون دو سيت فونكسيون سي R tout entier parce que tout simplement x carré plus 1 ne s'annule jamais sur R. Donc question numéro 1, calculer les deux limites suivantes quand x tend vers moins l'infini de f de x et quand x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième question, trouver trois nombres réel A, B et C, tel que l'on est pour tout réel x, f' de x égale à cette forme, x facteur de x moins 1, facteur de ax carré plus bx plus c, le tout sur x sur au carré plus 1, le tout au carré. Ceci c'est un carré, c'est pas un 2. Alors je l'efface et je corrige tout de suite. Ici c'est au carré, bien sûr. Étudier, troisième question, étudier les variations de f. La partie numéro 2, al-juz' B. Question 1, démontrer que la courbe CF admet une asymptote oblique dont on déterminera l'équation cartésienne. Puis, préciser la position du graphe de f par rapport à cette asymptote. Deuxième question, petit a, déterminer l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse x0 égale à 2, puis étudier la position du graphe CF par rapport à cette tangente. Petit b, tracer CF, tracer la courbe de F, la recherche des points d'inflexion n'est pas demandée. Alors cette fonction, elle admettra des points d'inflexion, nous ne sommes pas obligés de calculer ou bien de déterminer ces points d'inflexion. Troisième question, évaluer l'aire de la surface limitée par la courbe CF et les droites d'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, x égale à 1, c'est-à-dire la droite qui passe par le point 1 parallèle à l'axe des ordonnées, et la droite d'équation y est égale à x. إذن غادي نمر معكم بسرعة إلى الحل. إذن هنا غنبداو بلا بارتي أ. Voici la fonction, voici notre fonction. J'ai déjà dit qu'elle est définie sur R tout entier. Donc, premièrement, je calcule les limites. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x de cette fonction ou bien de cette expression, c'est la limite puisque c'est une fonction rationnelle plus haut degré sur plus haut degré. Plus haut degré c'est 3 ici, et ici c'est 2, donc ça donne x au cube sur x carré c'est x, donc c'est la limite de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, on a une branche infinie, x égale à moins l'infini, f de x égale à moins l'infini, donc la branche elle est sous cette forme, moins l'infini, donc il y en a un moins l'infini de l'isbel x, un moins l'infini de l'isbel y, et donc il y en a la branche infinie. Ina, première branche. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est de la même façon, limite de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, donc nous avons une branche, une deuxième branche infinie, de la forme x égale à plus l'infini, f de x égale à plus l'infini. Plus l'infini pour x, plus l'infini pour y, donc ina, la deuxième branche. La dérivée. Je calcule la dérivée de cette fonction
il est sous la forme U sur V, donc U'V moins UV' sur V au carré. Faites vos calculs, c'est très simple, on trouvera, après des simplifications, ceci, x facteur de x au cube plus 3x moins 4 sur le dénominateur. Le dénominateur, c'est x carré plus 1, le tout au carré. Alors, c'est peut-être doublement le temps que vous avez dit. عدة مرات. إذن هنا كنلاحظوا أن الحسب المطلوب عندنا وهو بغينا هنا غادي ناخذ هذا x كي بلس 3x موان 4 وغنقسمها على x موان زان. علاش؟ لأن مطالبين منا x موان زان يكون تا هو باغمي لي فاكتور. هيا يا إيسي هنا باغمي لي فاكتور. ألوغ x سي ديجا أون فاكتور إي x موان زان سي أن أوتر فاكتور. دونك اش غادي نعمل؟ غادي ناخد هاد اكس كوب بلس 3 اكس موان 4 وغادي نقسمها على اكس موان زان. غنعمل لا ديفيزيون اوكليديان سويفون لي بويسونس ديكرواسونت. دونك اكس كوب بلس 3 اكس موان 4 غنقسمها على اكس موان زان. فيت فو كالكول الوغ جو تروف كوم كوسيون الخارج هو اكس كاري بلس اكس بلس 4. Donc, j'obtiens f' de x égale à x, facteur de x moins 1, le reste est égal à 0, bien sûr, facteur de x carré plus x plus 4. Donc, le a que l'on cherche ici, c'est le coefficient de x carré, c'est-à-dire 1. Et le b, c'est le coefficient de x, c'est-à-dire 1. Et le c, c'est le terme constant, c'est 4. Donc, maintenant, je passe aux variations. Alors, pour les variations de f, je dois calculer ou bien je dois déterminer les points où f' s'annule et étudier le signe. Yani, on dresse l'ichara de f'. Il y a un had x plus 1, x au carré plus 1, le tout au carré. Had c'est un nombre strictement positif, donc au carré c'est strictement positif. هنايا x كاري بلس x بلس 4 غادي نحسب ليها الديتيرمينون ديالها باش نعرفها واش كتنعادم ولا لا. غتعطيني موان 15. فيت فو كالكول موان 15 استريكتومون نيجاتيف. دونك سو بولينوم ما كينعادمش وانما كيبقى عنده لو سين ديال ا. اي سي سي لو كويفيسيون دو x كاري سادير 1 اي لي بوزيتيف استريكتومون بوزيتيف. دونك كيلك سوا x ابارتونون ار هاد البولينوم هذا اللي مدور عليه باللون الاحمر فهو ستريكتومون بوزيتيف ما كينعادمش. اذا هذا موجب ستريكتومون وهذا موجب ستريكتومون. اذا كيبقى الاشاره ديال اف بريم هي الاشاره ديال اكس فاكتور دو اكس موان زان. دونك جو في ايتيدي لو سين دو اكس فاكتور دو اكس موان زان. il s'annule en x égale à 0 et en x égale à 1. entre les racines c'est le signe contraire de a. C'est le deuxième degré ceci. Le A c'est 1. Donc le signe contraire c'est moins. Donc entre les racines c'est moins et à l'extérieur des racines c'est plus. Donc maintenant je dois poser le tableau des variations ou bien les variations de f. Alors f' s'annule en 0 et 1. Entre 0 et 1 elle est négative. Entre de moins l'infini à 0 c'est positif, de 1 à plus l'infini c'est positif. Donc f est croissante, décroissante, croissante, f de 0 égale à 2, faites vos calculs, f de 1 égale à 3,5, faites vos calculs. Maintenant je passe à la partie B, question numéro 1. Alors la recherche de l'asymptote, tout simplement puisqu'on a ici un polynôme. Donc le degré du numérateur kbarman le degré du dénominateur, donc je fais la division euclidienne. Donc x au cube plus 2 divisé par x carré plus 1, ratatini x, fois x carré, etc. Donc le reste c'est moins x plus 2. Donc x au cube égale à x facteur de x carré plus 1 plus le reste, moins x plus 2. Radien assemble à x carré plus 1, et les deux membres. Donc j'obtiens x au cube plus 2 sur x carré plus 1 est égal à x plus moins x plus 2 sur x carré plus 1. Maintenant, je dois
Calculer la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ce x, celui-là. Donc je trouve, comme expression celle-là, à la limite à plus ou moins l'infini, ça donne 0. Donc, ce qui signifie, ou bien ce qui montre que le graphe de f admet une asymptote oblique que j'appelle delta au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini aussi. L'équation cartésienne est celle-là, y est égal à x. Maintenant, je passe à l'étude de la position du graphe par rapport à cette asymptote oblique. Donc, je dois chercher le signe de la différence, de cette différence que j'ai trouvée avant, celle-là. Il a le mujab à la réponse CF, fort mené de la droite. Il a le kaita blesse le céliba, raton, asphel. Donc, le signe de moins x, x carré plus 1, il est strictement positif. Donc, le signe, c'est celui de moins x plus 2. Donc, moins x plus 2, voici un petit tableau. Il s'annule en 2. À droite, signe de A, c'est premier degré, c'est-à-dire daraja al-oula, daraja wahid, polynôme daraja wahid. Il a l'yamin, isharat A, il a l'yassar, muqabilou. إذن هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف بالنسبة للإعداد اللي صار من دو CF أو دسو دو دلتا ستالي أو وزيناج دو موان لانفيني إي بور لز X سوبيريور ستريكتومون أ دو CF إتو دسو تحت دلتا أو وزيناج دو بلوس لانفيني بيان سو وبالنسبة ل X إيكال أ دو CF كوب دلتا إل سو كوب. Le graphe de f et delta se coupe au point d'abscisse x est égal à 2. Je passe à la page suivante pour continuer. Alors, la deuxième question petit a, nous avons dit l'équation de la tangente au graphe de cf au point d'abscisse x0 est égal à 2. Vous savez bien, d'après le cours, l'équation elle est sous la forme y moins y0. Y0, c'est f de x0 égale à f' de x0 facteur de x moins x0. Avec x0 est égal, bien sûr, à 2. Je calcule y0, c'est f de 2. Ça me donne 2. Faites vos calculs. Je calcule f' de x0, c'est-à-dire f' de 2. D'après la dérivée, voici la dérivée, elle est écrite là. Donc, on va vous dire, on va vous dire, 20 à 25, il y a 4 à 5, 4 sur 5. Donc, la tangente, c'est y, l'équation de la tangente, elle est sous la forme y est égal à 4 cinquièmes fois x moins 2 plus 2, égale à 4 cinquièmes x plus 2 cinquièmes. Donc, voici l'équation de la tangente au graphe de CF, au point d'abscisse x0 est égal à 1. Maintenant la position. Donc pour chercher la position du graphe par rapport à cette tangente, je dois calculer, ou bien je dois chercher le signe de f de x moins 4 cinquième x plus 2 cinquièmes, que je calcule facilement. Faites vos calculs, réduisez au même dénominateur, etc., etc. Remarquez bien qu'ici, je peux factoriser par x carré, j'obtiens ceci. Et je peux factoriser par moins 4, j'obtiens ceci. Donc j'obtiens un nouveau facteur commun qui est x moins 2. Je factorise avec. Donc j'obtiens x moins 2 facteur de x carré moins 4. Identité remarquable. On va faire x moins 2 au carré facteur de x plus 2. X moins 2, le tout au carré, c'est supérieur ou égal à 0. Dénominateur, il est strictement positif. Donc, le signe, c'est le signe de x plus 2. Donc, voici x moins 2 au carré. Il s'annule ici en 2. Il est toujours positif car c'est un carré. Et x plus 2 s'annule en moins 2. À droite, signe de A. À gauche, signe contraire de A. Le A, c'est le coefficient de x ici. À x plus B. La forme AX plus. Donc, 0, 0 ici, les 0, plus fois moins c'est moins, plus fois plus c'est plus, plus fois plus c'est
plus. Donc, d'après ce tableau, ici, la différence des deux expressions est négative, donc c'est, et en dessous, tête, la tangente. Tandis que ici, il est toujours positif ici, donc il est au-dessus, fort, la tangente. Et ici, pour les deux valeurs ici, si CF et T se coupent en deux points A d'abscisse 2 d'ordonnée 2 et B moins 2 d'abscisse moins 2, moins 6 sur 5. Faites le calcul ici, ceci c'est déjà calculé. Faites le calcul ici, vous trouverez moins 6 sur 5. Donc voici le tracé maintenant. Le tracé il est là. Voici la droite oblique, c'est-à-dire l'asymptote, le maximum et le minimum d'après le tableau des variations. Alors maximum, minimum, ici en x égale à 2, le graphe et l'asymptote se coupent, mais avec le pas concave, et ici il y a existence d'un point d'inflexion, lima, palbinch, mounoujourna, in, quelque part ici, un point d'inflexion. La même chose ici, ça change, peut-être il est là, peut-être il est en bas ici. Donc voici le graphe de cette fonction. Alors, je vous montre le tracé du graphe que j'ai fait avec un logiciel. Il est là. Donc vous voyez, voici le graphe. L'asymptote en vert et... ce qui est en bleu, c'est la tangente au point d'abscisse x est égal à 2. Donc maintenant, il me reste l'aire de cette partie que j'ai coloriée en vert. Entre x égale à 0, x égale à 1 et y égale à x et entre cette partie. Donc, je vais calculer, puisque la courbe est au-dessus dans cet intervalle, faites l'intervalle 0, 1, la courbe rajoute formule à la droite, donc f de x moins x. Donc l'intégrale à l'air en unité d'air est égale à l'intégrale de 0 à 1, voici le 0, voici le 1, de f de x, ce qui est en rouge, moins x, cette droite, l'équation de cette droite. Donc, je calcule, je remplace x au cube plus 2 sur x carré plus 1 moins x, le tout dx. Je passe à la page suivante pour terminer l'exercice. Donc, le voilà. Je réduis au même dénominateur. Faites vos calculs. X au cube moins x au cube, ça donne 0. Il me reste moins x plus 2 sur x carré plus 1. Hasab la linéarité de l'intégrale. Moins x sur x carré plus 1. Il y a le moins ici. Je multiplie par 2 et je divise par 2. Je vais vous dire, dérivée de x au carré plus 1, dérivée de la, il y a 2x. On a le 2 à la part linéarité à Wachajna. Fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x carré. C'est un arc tangente. D'après les primitives, il faut connaître par cœur le tableau des primitives. Donc ça donne 2 arc tangente x entre 0 et 1, moins 1 demi, ou va dire à u prime sur u. Donc ça donne logarithme de valeur absolue de u. Ici, x carré plus 1, c'est toujours positif, donc la valeur absolue de x carré plus 1, c'est x carré plus 1. Entre les bornes 0 et 1, je remplace maintenant deux facteurs. Arc tangente de 1, c'est pi sur 4, moins arc tangente 0, c'est 0, moins 1 demi. Log de 1 au carré, c'est 1 plus 1, c'est 2, moins log de 0 au carré, c'est 0 plus 1, c'est 1. Log de 1. Et log de 1 est égal à 0. Donc il me reste 2 fois pi sur 4, c'est pi sur 2, moins 1 demi, logarithme n'est rien, 2 avec l'unité d'air.
Donc, voici la fin de cet exercice. Je vous laisse à la prochaine fois avec un nouveau exercice. Mais n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir toujours le bon et le meilleur des exercices. Idem, بالنسبه انا سرعت هنايا واحد شويه لان الفيديو غيكون طويل بزاف وياخذ بزاف ديال الوقت. نتايا الى بغيتي تستافد اكثر وقف الفيديو في اي مكان شئت واستافد اكثر. اذا الى اللقاء في فرصه اخرى بحول الله.